Dans cette vidéo, tu vas connaître comment prendre du poids en faisant du sport. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Quand on est un homme ectomorphe avec un métabolisme rapide, en général, on a envie de prendre du poids. On a envie de changer de corps, on a envie de devenir plus imposant, de prendre du muscle, mais cela demande d'avoir une méthode bien précise. Et cette situation, je l'ai connue puisque quand j'étais plus jeune, adolescent et jeune adulte, j'étais super maigre, méga complexé par ma maigreur, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui fonctionnait pour prendre du poids et prendre du muscle. À l'époque, je savais vaguement qu'il fallait avoir un programme alimentaire et faire du sport, mais je n'avais aucune idée des aliments à privilégier, et surtout je ne savais pas quel type de sport je devais faire ou ne pas faire si je voulais prendre du muscle rapidement. Et comme toujours, si tu es super motivé pour prendre du poids et prendre du muscle, abonne-toi à la chaîne et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Mes vidéos sont spécialement pour les hommes qui se trouvent trop maigres, et je vais tout faire pour que tu réussisses à changer de corps. Et en fait, si l'on se penche sur la question du sport pour prendre du poids, oui, tu vas le voir, le sport est important, mais il est très important de bien sélectionner les activités que tu fais. Certains sports vont t'aider à prendre du muscle, d'autres types d'activités physiques au contraire vont te faire sécher. Et si tu veux prendre des kilos sur la balance, il est très important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Elle va te faire gagner beaucoup de temps et tu vas prendre du poids rapidement. Et en fait, si tu veux prendre du poids et principalement prendre du muscle, la priorité c'est d'abord et avant tout de faire de la musculation. Et la musculation, sache que c'est une discipline qui peut se faire à la maison et sans matériel de musculation. C'est justement le principe de ma méthode et c'est ce que je propose à mes élèves. La musculation, si tu as les bons entraînements, c'est ce qui va te permettre d'avoir des plus gros muscles. Et si tu choisis les bons exercices, les bonnes charges, c'est ce qui va te permettre en plusieurs mois, voire en quelques semaines, de prendre du poids. Et si aujourd'hui tu te trouves trop maigre et que tu veux prendre du poids, il est très important non seulement que tu fasses de la musculation, mais surtout que tu aies les bons entraînements. Et pour cela, tu vas favoriser les exercices polyarticulaires. Ce sont les exercices qui sollicitent plusieurs muscles en même temps. Je pense par exemple aux pompes qui sollicitent les triceps, les pectoraux ou encore les épaules. Tu as aussi le tirage qui sollicite le dos et les bras. Et tu as le squat qui sollicite notamment les fessiers ainsi que les quadriceps. Ce sont les exercices avec lesquels tu vas progresser le plus rapidement. Et ce sont les exos qui vont te permettre d'optimiser ta prise de masse musculaire. En plus du choix des exercices, il va falloir que tu suives des entraînements intensifs avec des charges lourdes. Bien sûr, au départ, il faut bien maîtriser la technique d'exécution, mais une fois que tu connais la théorie, tu vas augmenter progressivement les charges, et j'insiste bien sur le progressivement. Si tu vas trop vite, tu risques de te blesser, et cela est à éviter absolument durant une prise de masse musculaire. Mais quoi qu'il en soit, si à long terme, sur plusieurs mois, tu restes sur des charges très légères, il sera impossible de faire grossir tes muscles. Si tu as bien compris ce principe d'entraînement intensif avec des charges lourdes, tu es sur la bonne voie pour prendre du poids avec le sport. Si d'ailleurs aujourd'hui tu cherches à constituer ton programme de musculation pour la prise de masse, sache que j'ai récemment fait une vidéo pour te partager les 5 erreurs à éviter pour constituer ton programme de musculation, quel que soit ton poids actuel et ton objectif. Ces erreurs, il ne faut surtout pas que tu les fasses, et si cela t'intéresse, tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quels sont tes sports préférés et quels sont les sports que tu pratiques le plus. Dis-moi également combien de fois tu en fais par semaine, je te dirai ce que j'en pense pour la prise de masse, et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. Et maintenant que tu sais que la musculation est obligatoire pour prendre du poids avec le sport, qu'en est-il des autres sports et du cardio? En fait, il faut comprendre que le corps a tendance à s'adapter aux efforts que tu vas lui imposer. Du coup, si tu fais beaucoup de musculation, il va avoir tendance à construire un des plus gros muscles pour pouvoir mieux répondre aux prochains efforts que tu vas lui demander. Mais inversement, si tu fais beaucoup de cardio, il va avoir tendance à sécher pour pouvoir être plus performant durant tes prochains efforts de cardio. C'est pourquoi si aujourd'hui tu es très maigre et que tu veux prendre du poids, le cardio durant ta prise de masse, je te conseille d'éviter. L'idéal pour progresser le plus rapidement et prendre du poids rapidement en prenant du muscle, c'est de ne faire que de la musculation, tout du moins durant tes mois de prise de masse. Je le dis toujours, pour les hommes ectomorphes, on évitera le cardio. Je pense par exemple à la course à pied qui pour certains types de profils peut avoir beaucoup de bienfaits, mais quand on est un homme complexé par sa maigreur, comme moi je l'étais quand j'étais plus jeune, si tu veux prendre du poids rapidement, on se concentre sur la musculation. Et une question que je reçois d'ailleurs régulièrement, s'il faut réduire le cardio, est-ce que le cardio est complètement interdit? En fait, la réponse est non. Autant il est préférable de l'éviter, autant si tu en fais de temps en temps mais que la musculation reste ta priorité, pas de problème, à long terme, tu vas réussir à construire du muscle et à prendre du poids. Il faut comprendre que le cardio augmente les dépenses caloriques, et donc déjà, si au départ tu as un métabolisme rapide, cela ne va pas t'aider pour être en excédent calorique. Mais si tu as la bonne nutrition et que tu augmentes tes apports caloriques en parallèle, tant que tu es en excédent calorique, tu vas prendre du poids. Du coup, faire du cardio n'est pas optimal mais n'est pas interdit pour autant. C'est la raison pour laquelle, si tu fais 3 ou 4 séances de musculation par semaine, mais qu'une fois par semaine tu fais de la course à pied, du tennis, du basket, de la boxe, pas de problème tant que tu continues des entraînements de musculation intensifs et que tu as la bonne nutrition, que tu consommes suffisamment de protéines et suffisamment de calories. Personnellement, j'ai toujours aimé le foot et la natation, mais à l'époque, quand j'avais 20 ans et que je me suis mis à fond à la musculation, j'avais temporairement arrêté mes activités de cardio. Je m'étais concentré sur la musculation pour pouvoir progresser plus vite. Mais concernant la façon dont tu t'organises pour tes activités physiques, cela dépend bien sûr de chacun, de tes objectifs, en combien de temps tu veux prendre du poids, mais tu l'as compris maintenant, faire du sport c'est obligatoire, mais il faut choisir la bonne méthode, la bonne façon de faire du sport, car le sport de base augmente les dépenses caloriques, et tu le sais maintenant si tu suis mes vidéos régulièrement. Pour prendre du poids, il faut être en excédent calorique, tu n'as donc pas le choix, il faut que tes apports caloriques soient supérieurs à tes dépenses caloriques. Pour cela, au-delà de la question du sport, il est très important de bien te former sur la nutrition. Tu dois connaître les aliments qui vont te permettre de prendre du muscle. Je pense bien sûr aux aliments riches en protéines comme la viande, les œufs ou encore le poisson. Et surtout, pour prendre du poids, il faut connaître les aliments riches en calories, en bonnes calories. On évitera absolument les calories vides comme c'est le cas de l'alcool ou des sucres
calories industrielles. Et pour les bonnes calories, je pense notamment aux bons lipides. Cela peut être par exemple l'huile d'olive ou encore les noix. Je sais que prendre du poids peut être une grosse galère si tu as toujours été maigre, que tu n'as que peu d'appétit, mais je te rassure, parmi mes élèves, même les plus maigres ont réussi à prendre plusieurs kilos de muscles. Si tu as les bons entraînements de musculation à la maison, que tu en fais plusieurs fois par semaine et qu'à côté de cela tu as les bons repas, prendre du poids et réussir une transformation physique est possible pour absolument tout le monde. Une fois que tu auras commencé à prendre plusieurs kilos, tu pourras réintroduire les autres sports de façon plus régulière. Actuellement, si je prends mon cas en exemple, maintenant que j'ai pris près de 13 kilos principalement de muscles, je refais du foot et de la natation régulièrement. Je fais en général 3 séances de musculation par semaine et 2 séances soit de foot, soit de natation. L'idée comme toujours est de bien suivre ta progression. Réussir une prise de masse, cela demande de faire preuve d'adaptation. Mais si tu suis les principaux conseils que j'ai partagés dans cette vidéo, tu le verras, grossir rapidement et surtout prendre du muscle se fera sans problème. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment prendre du poids en faisant du sport, lâche un gros pouce bleu, ça me fait archi plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quels sont les sports que tu fais. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.